Regarde-moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas du tout ça. C'est pendant le ramadan seulement, on les voit, les longs hijabs, coincés dans la bouche, tapis en main, comment dirais-je, tosbar dans la main. Vous vous suivez comme ça pour aller à la mosquée. À cause de vous, là, même nourriture qu'on nous partage là, ça ne peut pas nous suffire. Ça ne peut pas nous suffire. Parce que c'est nous, on connaît dans la mosquée là. Vous, c'est à cause du ramadan, vous faites ça. À cause du ramadan, vous faites ça. Mais moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Pourtant, il n'y a pas ce que vous ne faites pas dans ces quartiers-là. On vous connaît, moi je vous connais. Moi, personne, moi, information, je vous connais. C'est pas vous, vous pensez que je suis devant ma porte chaque jour là. Vous pensez que c'est quoi? C'est pour prendre des informations. C'est pas pour rien, on m'appelle des informations. Même votre maman, même, tout ce qu'elle fait, je suis au courant. Je suis au courant déjà. Regardez les marches. Même l'air des marches, même a changé. Regardez comment elle marche un peu là. Pourtant, pendant 11 mois, c'est vous dans les quartiers là, vous faites les mauvaises choses. Je vous connais. Vous, les filles là, si c'est moto, ça vous a pris. Voiture, vélo, même bourrette vient vous chercher. Viens, il vous cherche, il vous dépose. Prends, dépose. Prends, dépose. On dirait que vous êtes des. On ne sait même pas quoi là. Votre maman, même la grosse, je la connais. Il n'y a pas ce qu'elle ne fait pas. Votre maman, aninga an kurin yo kote an katang katang an haw an temudun korfo an ta al borasin me sen ni dora asin me sen ni dora. Les gars ne peuvent pas parler, les gars ne peuvent pas parler. Il a fermé la bouche de son mari définitivement. Et Dieu n'aime pas ça. Mon Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas ça du tout. Dieu n'aime pas ça. Tu peux pas nim kag boraka ingwono hadora aste. Non, ça là c'est pas possible. Mon Dieu n'aime pas ça. Mon Dieu n'aime pas ça. Les gars, tu l'as envoûté. C'est ici que tu amènes votre maman même. Il amène des hommes. Elle est couchée, elle est allongée sur les lits avec des hommes. Quand les gars, quand son mari rentre, elle dit ah, c'est mon voisin, c'est mon cousin. C'est quel genre de cousinage qui s'en va être sur les lits, hein? Qui s'en va être sur les lits conjugal, pas les lits verbal. Si c'est un lit verbal, on comprend. Mais là, c'est son lit conjugal. C'est son lit conjugal. Ça là, c'est quel genre? Ça là, même quand tu gênes, Dieu n'accepte pas. Dieu n'accepte pas ton carême. C'est vous, vous mettez les hijabs, vous partez. Que quoi. Assalamu alaikum. Walaikum magirgap. Walaikum magirgap. Parce que je ne sais pas quelle intention tu as pris pour me dire assalamu alaikum. Je n'aime pas ça. Et regarde, l'enfant là, attends. L'enfant là, il y a quelque chose qui ne va pas. L'enfant là, je n'ai pas confiance en lui. Non. Regarde comment l'enfant du voisin là. On dirait l'enfant là, il s'en va être un PD. Ah non. Il faut que je sois au courant de tout ce qui se passe. Parce que moi, information là, j'aime pas me retrouver dans une histoire où j'ai pas les preuves. Parce que sa maman là, c'est ma pote. Si son, regarde comment il marche. Regarde, il est toujours là marcher avec les jolies femmes là. L'enfant là, ça va être PD. Non, il s'en va être. Il faut que je fasse des investigations. Non, je dois faire des investigations. Oui, dès que je coupe mon carême là, je dois faire des investigations. Il faut que je sache si l'enfant là, il s'en va. Voilà, je connais. Non, je connais. L'enfant là, il est pédé. Il est pédé, c'est moi, je vous dis. Il est pédé. Mais attends, même, je vais. Il ne faut pas, ils vont gâter mon carême. Attends, je vais m'échapper.